Combien compte-t-on de cons conscients de leurs conditions? Qui se considère con, cerné par cette question? Convenir à contre-cœur, s'être conduit comme un con, concevable à la rigueur, mais complètement con à sa non. À croire que la connerie est une grande confrérie, car dans toutes les contrées, on a de la compagnie. C'est que le con est fait con, qu'on soit de petits cons, génitaux qui feront avec l'âge des vieux cons. Qu'est-ce qu'on est con? Condamné à ne rien comprendre. Qu'est-ce qu'on est con? Condamné à tout confondre. Qu'est-ce qu'on est con? Condamné à continuer. Qu'est-ce qu'on est con? T'as compris ça, t'as tout compris. Être con, ça se comprend, n'est pas une conviction, mais un comportement compulsif, constitutif de l'inconscient. Constante, incompressible, qui nous construit par conséquent. Et même convaincu du contraire, quiconque se voit contraint de constater amer qu'il est le con de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on est con? Condamné à ne rien comprendre. Qu'est-ce qu'on est con? Condamné à tout confondre. Qu'est-ce qu'on est con? Condamné à continuer. Qu'est-ce qu'on est con? T'as compris ça, t'as tout compris. Être con, conclusion, est un concept abscon. Au contour imprécis, compliqué d'être concis. Qu'on soit con, contrarié, con, confession, con, qu'à moitié. Ce qui compte, c'est d'être con, tant de sa vie au fond. Qu'est-ce qu'on est con? Condamné à ne rien comprendre. Qu'est-ce qu'on est con? Condamné à tout confondre. Qu'est-ce qu'on est con? Condamné à continuer. Qu'est-ce qu'on est con? T'as compris ça, t'as tout compris. Qu'est-ce qu'on est con? Condamné à ne rien comprendre. Qu'est-ce qu'on est con? Condamné à tout confondre. Qu'est-ce qu'on est con? Condamné à continuer, continuer, continuer. T'as compris ça, t'as tout compris. On raconte une conspiration, complot intercontinental, conjuration qui ne dit son nom, convoite le contrôle total, la conquête complète de la Terre, combattants œuvrant de concert pour construire en toute complicité le monde des cons décomplexés.